Bonjour à tous, ici Mylène et c'est une joie pour moi de vous accueillir à notre réunion en ligne Nouvelle vie chez vous. Nous voulons vous souhaiter la bienvenue et nous voulons souhaiter une bienvenue toute particulière à tous ceux qui se joignent à nous pour la première fois. Merci d'avoir choisi d'être avec nous ce matin. Nous sommes présentement en direct sur Facebook, YouTube ainsi que notre plateforme live.nouvellevie.com où des pasteurs et leaders vous y attendent pour pouvoir échanger et discuter avec vous. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir pasteur Gaétan Brassard, le pasteur principal de l'église Le Portail à Laval, qui va nous apporter la parole. Alors, allez-y, dès maintenant, partagez cette réunion autour de vous sur vos réseaux sociaux. Sans plus tarder, nous allons entrer dans un moment de louange avec Nouvelle Vie Worship et ensemble, plongeons au cœur de sa présence. J'espère que vous êtes prêts. C'est parti. Bonne réunion à tous. Bon matin à tous, bienvenue à cette réunion. Qu'on puisse commencer ensemble en louant et en célébrant Dieu de tous nos cœurs. Alors faisons monter vers lui notre louange. Hey! Mon chant est une arme qui détruit tous mes ennemis. Mon chant est une arme qui chasse mes jamais.
présence. Rien ne t'est impossible. Émerveillé en ta présence, ta joie me remplit d'espérance. Émerveillé, émerveillé en ta présence. Rien ne t'est impossible. Émerveillé, émerveillé en ta présence. Ta joie me remplit d'espérance. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi sur toute la me remplit d'espérance. Oh, oh, il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi sur toute la terre. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont
grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi, le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi, le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Sois le bienvenu, Seigneur. Sois le bienvenu dans nos cœurs. Sois le bienvenu dans nos peurs. Sois le bienvenu dans notre détresse. Seigneur, nous t'accueillons. Seigneur, et quand on t'accueille, Seigneur, nous souhaitons le faire de tout notre cœur. Et comme quand tu es rentré dans Jérusalem, des gens criaient Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Ils avaient reconnu, nous voulons reconnaître ta grandeur, que tu es le Fils de Dieu. Nous allons chanter ensemble Hosanna. Ton nom est l'espoir en moi.
ensemble ton nom. Ton nom est dit, ton nom est l'espoir en moi, l'espoir. Tu es l'amour, toujours là, à chaque fois, à chaque fois. Ton nom est dit, ton nom est dit. Qui a conscience de la puissance qu'il y a dans ton nom, va vivre une rencontre spécifique avec toi. Et je prie que maintenant, chaque personne puisse prendre conscience de la puissance qui se trouve dans le nom de Jésus. Je prie pour que chaque personne puisse te rencontrer personnellement. Jésus, tu es plus que ce qu'on croit, tu es plus que ce qu'on dit de toi, tu es Dieu. Et Seigneur, je proclame ton nom sur chaque personne qui va regarder, sur nos vies maintenant. Jésus, merci pour ta présence. Merci parce que tu vas nous parler. Merci parce que tu vas nous relever. Merci parce que ton nom est puissant. Alléluia, Jésus. Sois béni, Éternel. Amen. Quelle louange magnifique ce matin. Je suis tellement reconnaissant qu'on puisse vivre ces réunions en ligne et reconnaissant pour tous les bâtiments que nous avons à Nouvelle Vie, qui rendent possible qu'on puisse avoir une louange comme on l'a ce matin, qu'on puisse avoir tous les enregistrements, les prédications, le message, tout le matériel. On a transformé plusieurs locaux de nos bâtiments en studio, alors qu'on puisse vous donner tout ce matériel à produire en ligne à chaque jour, des ressources nouvelles pour vous, pour vos enfants, pour les ados. Et merci au Seigneur, mais merci à vous. C'est votre fidélité qui nous a permis d'acquérir d'avoir tout cet acquis de bâtiments, non seulement pour nous, pour Nouvelle Vie, Longueuil, mais tous ces bâtiments qui abritent Nueva Vida, qui est un magnifique bâtiment de Nouvelle Vie, La Prairie, également les bâtiments qui abritent l'organisme Action Nouvelle Vie, qui distribue à plus de 15 000 personnes à chaque mois, et également son volet jeunesse avec l'organisme La Ressource, le 2159, avec des bâtiments magnifiques également. C'est grâce à votre fidélité et ça fait tellement de différence pendant ces mois de pandémie qu'on puisse vous offrir tout ça. Juste un grand merci, beaucoup, beaucoup de reconnaissance dans mon cœur, et aussi pour vous dire qu'on revient en septembre dans nos bâtiments. On va vous annoncer dès la semaine prochaine le retour progressif, graduel à toutes sortes de réunions de la vie d'église, de réunions de prière, de réunions de leaders, de réunions pour nos ados, pour nos jeunes adultes, de réunions de baptême, baptême d'eau qui vont reprendre, présentation de bébé, toute la vie d'église qui va reprendre de manière sécuritaire, sanitaire, mais de manière spirituelle qui va vous bénir. Alors, soyez bien à l'écoute de la semaine prochaine. Septembre est le mois du retour graduel et progressif
dans nos bâtiments à Nouvelle-Vie. Merci pour votre extraordinaire générosité pour le Liban, pour la tragédie qui a pris place à Beyrouth. J'ai lu cette semaine que les coûts de reconstruction pour Beyrouth vont être estimés à 15 milliards. Ça va être pendant des années. Il y a des dizaines de milliers de personnes qui sont en très grave danger en ce moment. Et notre missionnaire responsable pour toute une équipe là-bas, on le soutient depuis des années, Georges Merheb, dans des plans. En ce moment, c'est des efforts d'intervention d'urgence, mais aussi déjà d'équipes médicales, de reconstruction au niveau d'églises, d'écoles, de dispensaires. Et je suis tellement fier de vous dire que dans les dernières semaines, vous avez donné le total des dons qu'on va pouvoir envoyer est de 32 000 dollars, mais nos dons sont aussi doublés par des agences gouvernementales. Alors, on va envoyer une somme substantielle qui vont faire une différence sans être dramatique, sans vouloir exagérer quoi que ce soit. Vos dons vont faire une différence et changer des vies et même sauver des vies au Liban. Et on vous en remercie. Et c'est ça, la générosité, même pendant la pandémie, elle permet tout ce qu'on fait localement, elle permet l'international, mais elle permet aussi, est-ce que vous saviez que lorsque vous donnez à Nouvelle-Vie, vous donnez aussi pour soutenir et aider, soutenir et aider des églises partout à travers le Québec. En effet, nous avons fondé, avec toute une équipe, je suis le président du conseil d'administration de l'Association chrétienne pour la francophonie, l'ACF, avec des églises au Québec et aussi partout en francophonie. Alors, et pendant l'été 2020, l'été de la pandémie, il y a plusieurs des églises au Québec qui ont passé un temps très difficile. C'était extrêmement difficile pour eux. Alors, on envoie toutes sortes de dons d'urgence. Vous soutenez l'implantation et aussi le développement, le mentorat d'églises partout au Québec. Et pour vous donner un petit peu un aperçu, on va regarder pendant quelques instants juste un extrait d'une vidéo qu'on avait fait il y a quelques années où vous allez me voir. Soyez pas surpris, là, il y a un choc. Là, les images datent de quelques années. Le fondement, le jour lorsque nous avons fondé l'ACF et par la suite, quelques pasteurs de nos églises, certaines des églises les plus grandes, les plus dynamiques et en croissance du Québec, sont des églises de notre association et on en est extrêmement fiers. Alors, on regarde ça ensemble pendant un instant. Voici ce que vos dons à chaque semaine rendent possible. L'ACF, l'Association chrétienne pour la francophonie. Il y a beaucoup de choses qui semblent impossibles et que Dieu est en train de faire réaliser. Et l'ACF va témoigner et va devenir un témoignage sur tout ce qui peut prendre place au niveau multiplication lorsqu'il y a une décentralisation et lorsqu'on travaille en équipe. Et il y a des jeunes, je vous le prophétise cet après-midi, il y a des jeunes qui sont ici, des gens de tous les âges qui sont ici, qui vont vivre des moissons et des croissances dans leurs églises que la province de Québec n'a pas vues jusqu'à maintenant. Pour moi, l'ACF représente deux choses. Reconnaissance et fierté. Reconnaissance, premièrement, parce que ça fait 10 ans que je suis pasteur au Portail et auparavant, avant d'arriver, l'Église avait vécu des moments difficiles et Jésus est celui qui n'éteint pas le lumignon qui fume, mais ACF, ce sont ceux qui ont porté le flambeau, qui ont protégé la flamme au Portail et plusieurs choses qu'on vit présentement, qu'on a vécu dans le passé, qu'on récolte, on le doit à la semence d'ACF. Et deuxièmement, fierté. Je suis fier de faire partie d'un réseau d'Église, d'un mouvement d'Église qui non seulement veut protéger la foi, mais veut propager la foi, un mouvement missionnel. Et je pense que ce qui unit les églises ACF, c'est un ADN bien particulier qui est de vouloir amener des gens à Jésus. L'ACF, pour moi, c'est 10 ans d'hommes et de femmes de Dieu qui m'ont donné un modèle, un exemple à suivre dans des ministères efficaces qui ont porté du fruit ici au Québec par leur leadership, leur cœur entier pour Dieu. C'est aussi pour moi 10 ans de mentorat dans ma propre expérience d'implantation d'église et de pastorat de leadership, d'avoir des gens clés, différentes ressources dans des contextes à tous les niveaux du ministère. C'est vraiment ce qui me réjouit, ce qui me rend fier de l'ACF. L'ACF, c'est un coach, mais c'est aussi des cheerleaders pour nous. Pasteur Marc, Pasteur Claude sont toujours là pour nous encourager puis nous pousser à aller plus loin puis nous défier aussi à le faire parce qu'eux-mêmes sont des gens qui vont toujours plus loin puis ça me pousse à faire la même chose. Pour moi, l'ACF, c'est mes racines. C'est mon ethos. C'est ce qui fait que je suis ce que je suis aujourd'hui.
depuis les débuts. L'ACF est derrière nous, nous encourage, nous soutient de différentes façons. Alors, ce support-là et cet encouragement-là fait en sorte qu'on peut avoir l'assurance de continuer à faire l'œuvre que Dieu nous appelle à faire. Ensemble, avec le côté le caractère unique, le balan entre la théologie et la pratique centrée sur Jésus, cette liberté-là, je pense que ça fait une belle mosaïque. C'est magnifique de voir ce que Dieu fait à travers la province de Québec pour continuer à soutenir Nouvelle Vie et toutes ces églises à travers le Québec. Vous pouvez donner en ligne en toute sécurité à l'adresse suivante, don.nouvellevie.com, ou nous écrire par courriel à don@nouvellevie.com. Merci pour votre générosité soutenue même pendant ces mois d'été qui fait briller la lumière de Christ partout dans la province de Québec. Et nous sommes choyés ce matin d'avoir comme invité le pasteur Gaétan Brassard. Il est pasteur principal de l'église Le Portail. Le Portail, qui est une église avec plusieurs sites. Portail Laval, Terrebonne et Saint-Eustache, une des plus grandes églises dans la province de Québec. Pasteur Gaétan est un enseignant. Il a une maîtrise en théologie. Il siège sur le conseil d'administration avec nous de l'ACF. Il est un enseignant aimé, apprécié à l'Institut de théologie pour la francophonie. Il est un super mentor. Sous son ministère, il se développe plusieurs jeunes pasteurs qui vont bâtir le Québec évangélique maintenant. Demain, je vous invite à visiter sa page Facebook. Il est très prolifique. Il écrit il poste plein de choses fascinantes, intéressantes, des perspectives sur tout ce qui est théologique et aussi sur toute l'actualité qui prend place. C'est un communicateur qui est vraiment aimé à Nouvelle Vie. Et ce matin, dans notre série « Pourquoi croire? » Quelle joie d'accueillir le pasteur Gaétan. Son épouse Valérie aussi, les deux sont des leaders d'impact dans le christianisme, dans le mouvement chrétien évangélique au Québec et partout en francophonie. Et son message ce matin dans notre série « Pourquoi croire? » Pourquoi croire à la résurrection de Jésus avec le pasteur Gaétan Brassard. Bonne écoute, vous allez être bénis. Parce que je crois qu'il y a quelque chose de plus grand que nous. Parce que croire est un besoin chez l'être humain. Et donc, c'est une quête. Dieu est réel, Dieu est vivant. La Bible est un livre de vie qui change les vies. Parce que croire en Dieu, ça fait une différence dans notre vie. Parce que les enseignements de la Bible viennent transformer les vies. Parce que la science révèle la nature. Qui est la nature pointe vers le Créateur. Parce que le hasard ne peut ni expliquer l'origine de la vie sur Terre, ni le début de l'univers. Les murs entre la science et la foi s'effondrent. Parce que la religion présente ce que tu dois faire pour être sauvé. Le message de Jésus présente ce que Dieu a fait pour que nous puissions être sauvés. Parce qu'il y a encore des millions de personnes aujourd'hui qui déclarent que Jésus est vivant et qu'il a changé leur vie. Pourquoi croire? Parce que... Pourquoi croire? Très, très bonne question. Salutations, Église Nouvelle Vie. Très content d'être des vôtres. Tout d'abord, recevez de la part de l'Église de Portail nos félicitations pour votre 27e anniversaire. Bravo. Merci également à Pasteur Claude pour la confiance qui me témoigne en m'accordant le privilège de pouvoir vous annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Je veux également dire bravo à l'équipe de Nouvelle Vie pour l'excellent travail, le travail exceptionnel que vous faites en ligne. Donc, bravo. Ici, tu es membre de l'Église Nouvelle Vie. Si l'Église Nouvelle Vie, c'est ton Église, et tu es sur les réseaux sociaux, est-ce que tu peux écrire « J'aime mon Église »,« J'aime mon Église ». Et la Bible dit de ne pas aimer en parole seulement, mais en action. La preuve qu'on aime nos Églises, c'est en faisant trois choses. Donc, Nouvelle Vie, je t'encourage, premièrement, à prier pour ton Église. Prie pour Pasteur Claude. Alors qu'on est dans des temps difficiles, nous avons besoin de la sagesse de Dieu. Prie pour l'équipe pastorale. Prie que Dieu continue de mettre sa faveur sur Nouvelle Vie. Une des manières d'aimer nos églises en action, c'est de prier. C'est également de donner. Donc, continue d'être généreux. Vous savez, les rassemblements ont cessé, mais l'Église n'a pas cessé. L'Église n'est pas fermée, elle continue. Et la troisième manière d'aimer son Église, de démontrer qu'on aime notre Église, c'est en étant engagé. Donc, Nouvelle Vie, continue de prendre soin des uns des autres. Merci Seigneur pour l'Église en ligne, mais l'Église réelle, prenez soin des uns des autres. Encouragez-vous les uns les autres. Envoie des textos, des courriels, téléphone, parce que c'est ça, l'Église. Maintenant, c'est vraiment quelque chose de fondamental, parce que souvent les gens vont dire, moi j'aime Jésus, mais je ne suis pas fan de l'Église. La Bible dit que l'Église est le corps de Christ, et Christ est la tête de l'Église. Tu ne peux pas dire que tu aimes la tête
si tu n'aimes pas le corps. Tu ne peux pas dire « j'aime Jésus » si tu n'aimes pas l'Église. C'est comme si mon épouse me demande « chérie, est-ce que tu m'aimes? » Et je lui dis « mon amour, j'aime ta tête, mais pas ton corps. Est-ce que tu penses que mon commentaire va être bien reçu? » De la même manière, il y a trop de gens qui disent « j'aime Jésus, mais pas l'Église. Église Nouvelle Vie, aimons. Aimons Jésus, aimons la tête de Jésus, aimons le corps de Jésus et continuez de faire ce que vous faites, continuez à persévérer. Bravo. » Maintenant, ce matin, Pasteur Claude m'a demandé de pouvoir parler sur la résurrection de Jésus. Et alors que nous sommes dans une série qui se nomme « Pourquoi croire? », le titre de mon message ce matin, c'est « Pourquoi croire à la résurrection de Jésus? » Et nous allons regarder des arguments crédibles et rationnels d'avoir la foi, et notamment d'avoir la foi dans la résurrection. Maintenant, dans l'histoire, il y a 4 théories rationnelles qui ont été données pour démontrer que Jésus n'est pas ressuscité. Souvent, les sceptiques ont dit que les disciples ont volé le corps de Jésus. Maintenant, quand tu regardes le témoignage des évangiles, c'est impossible. Pourquoi? Parce que les disciples, c'était premièrement des hommes qui étaient effrayés. La Bible dit qu'il y avait des soldats. Donc, comment des hommes qui étaient enfermés, qui se cachaient, qui fuyaient les autorités, auraient pu aller avoir le courage de déjouer des soldats, voler le corps? Mais surtout, c'était des hommes qui étaient très, très moraux, des hommes qui craignaient Dieu. Donc, on voit mal les disciples opérer un mensonge. La Bible nous dit également qu'ils sont tous morts, martyrs. Donc, imagine, les disciples auraient volé le corps, sachant que Jésus est un mensonge et serait prêt à mourir pour ce mensonge. Donc, ce n'est pas rationnel. La deuxième théorie, c'est que Jésus se serait évanoui. Donc, lorsqu'il était apparu, en fait, Jésus n'est pas vraiment mort. La résurrection de Jésus, ce n'est pas vraiment une résurrection, c'est que Jésus a simplement réapparu. Quand tu lis les évangiles, on a pris Jésus, on l'a flagellé, on l'a torturé, on l'a martyrisé, il a passé une nuit blanche, on l'a crucifié, on a planté une lance dans son côté, on l'a décroché, on l'a mis dans un tombeau, et dans un tombeau, on l'a embaumé avec à peu près 100 livres d'épices sur lui. Alors qu'il était dans le tombeau, 100 livres d'épices, on a mis une pierre de 2 tonnes, et tu es en train de me dire que ce gars-là est sorti, a enlevé les aromates, a enlevé 100 livres sur lui, cet homme qui est à moitié mort, a poussé une pierre de 2 tonnes, a neutralisé les soldats, est apparu aux disciples et a dit « Je suis le Seigneur de la vie ». C'est absolument absurde. Donc, ce qui est plus rationnel, c'est de croire que Jésus est vraiment ressuscité. La troisième théorie qu'on a donnée, c'est, on a dit « Les femmes se sont trompées de tombeau ». Je trouve pas ça correct de présumer que les femmes n'ont pas le sens de l'orientation. Et quand on regarde dans le texte, non seulement les femmes ont été au tombeau, ensuite Pierre a été au tombeau, ensuite Jean a été au tombeau, et tout le monde s'est rendu au même tombeau. Donc, ça confirme que les femmes ne se sont pas trompées. Et finalement, ce qu'on a dit pour tenter d'expliquer de manière rationnelle la résurrection de Jésus, on a dit que les autorités ont caché le corps. Mais alors que le corps était caché, alors qu'il l'avait, et alors que le christianisme est devenu un problème pour les autorités, ça aurait été tellement facile pour les autorités de simplement montrer le corps. Maintenant, mes amis, la chose la plus rationnelle et la plus crédible, c'est que Jésus est vraiment ressuscité. Si tu le crois, dis amen. Jésus est vraiment ressuscité. Jésus l'a annoncé. Mais en même temps, on réalise que les arguments rationnels ont leurs limites. Alors que Jésus est ressuscité, c'est la chose la plus rationnelle. Et on voit Jésus qui a fait des miracles. Par exemple, Jésus va ressusciter Lazare. La résurrection de Lazare est une démonstration logique, cohérente, intelligente et rationnelle que Jésus est vraiment le Seigneur. Et est-ce que tu sais qu'est-ce que les incrédules ont voulu faire? La Bible nous dit dans Jean 12, 10 qu'on a tenté de tuer Lazare. Pourquoi? Ce texte nous révèle qu'il est possible de gagner un argument pour Jésus sans gagner quelqu'un à Jésus. L'incrédulité n'est pas un problème rationnel, mais c'est un problème spirituel. L'incrédulité n'est pas une question d'intelligence, mais de repentance. L'incrédulité ne se situe pas au niveau du cerveau, mais au niveau du cœur. L'incrédulité ne se règle pas par l'argumentation, mais par la régénération. Jésus n'a pas dit « Tu dois comprendre quelque chose de nouveau pour être chrétien. » Jésus a dit « Tu dois naître de nouveau. » Et à toi, mon ami qui est sceptique, je veux juste te dire que ton problème avec la résurrection de Jésus, fondamentalement, ce n'est pas un problème de connaissance, c'est un problème de confiance. C'est Anselme, un grand théologien
médiévale qui reprenait les paroles d'Augustin, qui disait la chose suivante. Je ne cherche pas à comprendre pour croire, mais je cherche à croire pour comprendre. Si je ne crois pas, je ne comprendrai pas. C'est la confiance qui amène la connaissance et non la connaissance qui amène la confiance en Jésus. Par exemple, tout le monde sur la planète à peu près comprend comment fonctionne un avion. Mais beaucoup de gens n'ont pas confiance de prendre l'avion. Maintenant, encore une fois, ta connaissance sur les avions ne suscite pas de confiance envers les avions. Donc, tu peux connaître beaucoup de choses. Je connais des hommes qui ont des doctorats en théologie, mais qui ne sont pas croyants. Pourquoi? Parce que la connaissance n'amène pas la confiance. Par contre, tu ne comprends jamais vraiment un avion tant que tu n'as pas pris l'avion. Quand tu prends l'avion, quand tu as assez confiance pour prendre l'avion, tout à coup, ta connaissance est éclairée. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je veux te donner de la connaissance de la résurrection de Jésus, mais je veux également te démontrer pourquoi Jésus est digne de confiance. Donc, j'ai 10 raisons pourquoi je crois que Jésus est vraiment ressuscité. Et je m'appuie sur un texte, il y a un chapitre dans le Nouveau Testament qui est le chapitre de la résurrection de Jésus. C'est l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 15. Donc, autour d'une 60aine de versets, va nommer plein de raisons pourquoi Jésus est vraiment ressuscité. Et le premier point, c'est que la résurrection de Jésus confirme la bonne nouvelle. Le chapitre commence en disant, « Je vous confirme, mes frères, la bonne nouvelle que je vous ai annoncée, celle que vous avez reçue dans laquelle vous vous tenez. » Jésus confirme la bonne nouvelle. Et pour comprendre la bonne nouvelle, tu as besoin de saisir la mauvaise nouvelle. Si quelqu'un était venu te voir il y a à peu près un an pour te dire, « Mon ami, j'ai le remède contre la COVID. J'ai vendu ma maison, j'ai vendu tous mes biens, j'ai amassé des millions de dollars et j'ai acheté ce remède et je te le donne gratuitement comme un cadeau. » Si quelqu'un t'avait dit ça il y a un an, tu aurais fait, « OK, merci pour la bonne nouvelle, mais OK, t'es fou. » Pourquoi? Parce que tu peux seulement saisir la bonne nouvelle quand tu as compris la maladie. Si aujourd'hui cet homme venait te voir avec le même discours, tout à coup, ce remède contre la COVID devient vraiment une très bonne nouvelle parce que tu expérimentes la mauvaise nouvelle. Souvent de fois, il y a des gens, on prêche Jésus en disant que Jésus est une bonne nouvelle, mais les gens ne comprennent pas la mauvaise nouvelle. Quand Paul dit que Jésus confirme la bonne nouvelle, ça sous-entend qu'il y a une mauvaise nouvelle sur ta vie. Mon ami, frère, sœur, il y a une mauvaise nouvelle sur nos vies. La Bible dit que nous sommes privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 23. Romains 6, 23 nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Voici la mauvaise nouvelle, tu vas mourir. Si il y a quelqu'un à côté de toi, tu peux lui dire avec amour, tu vas mourir. Je vais mourir. La Bible nous dit, Éphésiens 2, 1, que nous allons non seulement mourir biologiquement, mais nous sommes morts spirituellement. Nous sommes séparés de Dieu par nature. Éphésiens 2, le verset 2 va dire plus encore que nous sommes des rebelles, nous sommes hostiles, nous insultons Dieu en voulant vivre sans lui. Pendant des années, d'une manière inconsciente, sans Jésus, j'étais hostile à Dieu. La Bible dit que par nature, la colère de Dieu est sur nos vies. La Bible dit que l'homme est pécheur, est un rebelle, est hostile à Dieu. Il ne cherche pas Dieu. C'est ça que Romains 3 nous dit. Et la Bible nous dit que par nature, la colère de Dieu est sur nous et on s'attire le juste jugement de Dieu. La Bible dit qu'un jour, tout homme et toute femme sur cette terre sera jugé et Dieu, son jugement sera juste. Et alors que nous sommes sans Jésus, la condamnation est sur nos vies. Voici la mauvaise nouvelle, mais voici la bonne nouvelle. Car Dieu a tant aimé le monde qui a donné son Fils afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a envoyé son Fils qui a marché sur la terre, qui a eu une vie de parfaite obéissance, qui est mort à la croix pour toi, à ta place. Et lorsque tu te confies en lui, il y a un transfert. Ton péché est déversé sur Jésus, la justice de Jésus est déversée sur toi pour faire la paix avec Dieu. Et la résurrection confirme que Jésus est le Fils de Dieu. C'est comme lorsque tu rentres ton NIP, il y a toujours un moment, un délai, et on a tous vécu des moments où c'est écrit « transaction refusée, manque de fonds ». En tout cas, moi, je l'ai déjà vécu. Il y a 3 heures que Jésus était dans le tombeau pendant 3 jours, le délai. L'humanité attendait, mais le matin de Pâques, Dieu a dit « transaction acceptée ». Jésus est vraiment le Fils de Dieu. Jésus pardonne vraiment les péchés. Jésus donne vraiment une nouvelle vie. L'apôtre Paul continue. La résurrection de Jésus accomplit la Bible. Je vous ai transmis avant tout ce que j'avais moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli et ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Tout dans la Bible a toujours rapport avec Jésus.
La Bible est accomplie par l'œuvre de Jésus. La Bible pointe vers Jésus. Et Paul continue. La résurrection de Jésus change des vies. Voici ce que l'apôtre Paul écrit. Jésus est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. La plupart d'entre eux sont demeurés en vie. Quelques-uns se sont endormis dans la mort. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est apparu à moi aussi comme à un avorton. Moi, en effet, je suis le moindre des apôtres. C'est même trop d'honneur pour moi que d'être appelé apôtre, puisque j'ai persécuté l'Église de Dieu. Écoute bien. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été inutile. Paul fait l'énumération d'une gang d'hommes imparfaits, de chrétiens imparfaits. Ces hommes étaient indignes de Jésus. On a un Pierre, l'apôtre Pierre, qui a renié Jésus. On a les 12 qui, après avoir passé 3 ans avec Jésus, vont l'abandonner, vont le rejeter. On a Jacques, le frère de Jésus. Puis la Bible nous dit qu'à un moment donné, la famille de Jésus, les frères de Jésus, la mère de Jésus vont venir pour ramener Jésus parce qu'on trouve que Jésus, quand Jésus commence à prêcher la bonne nouvelle du royaume, on pense qu'il est devenu fou. Donc, son frère Jacques croyait que Jésus était fou. On a un Paul qui a persécuté l'Église. Le dénominateur commun de tous ces personnages, c'est que suite à la résurrection de Jésus, leur vie a été changée. Et si je te le prêche ce matin, c'est pas parce que je l'ai lu dans un livre, c'est parce que ce Jésus a changé ma vie. Ce Jésus a changé ma vie. Alors que je viens d'un milieu de misère, de pauvreté, de maladie mentale, de manipulation émotive, d'agression sexuelle, ce que je suis aujourd'hui, je le dois à Jésus. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Pour la gloire de Dieu. Pourquoi je te prêche que Jésus est ressuscité? Parce qu'il a changé ma vie. S'il y a quelqu'un qui m'écoute, qui est sur les réseaux sociaux, puis que Jésus a changé ta vie, je crois que tu dois avoir le courage. Écris, Jésus a changé ma vie. Qu'il y a une avalanche de nouvelles vies d'hommes et de femmes qui déclarent, Jésus a changé ma vie. Je continue. La résurrection de Jésus valide le christianisme. Et si le Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vide et votre foi aussi est vide. Notre foi n'est pas vide. Pourquoi? Si le tombeau, voici le paradoxe du christianisme, si le tombeau est encore rempli aujourd'hui, notre foi serait vide. Notre foi aujourd'hui, elle est remplie. Pourquoi? Parce que le tombeau est vide. Paul va dire que le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous. Notre foi n'est pas vide. Pourquoi? Parce que le tombeau est vide. Et notre prédication n'est pas vaine, elle n'est pas vide. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler d'un homme qui s'appelle Elias Keach. Cet homme, au 17e siècle, son père est un pasteur à Londres très, très réputé. Et le jeune Elias décide de venir en Amérique tenter sa chance. C'est un incroyant. Il rejette la foi de son père. Et en arrivant ici, il réalise que pour se faire une situation, il se fait passer pour un pasteur. Et à l'époque, les pasteurs étaient habillés en noir. Donc, il s'habille en noir. Et étant donné qu'il a le nom de Keach, tout le monde présume que c'est un pasteur, qu'il est le fils du grand pasteur. Cet homme-là est un athée. Il ne croit pas en Jésus, mais décide de devenir pasteur juste pour avoir de l'influence en arrivant ici. Et l'histoire nous dit qu'à un moment donné, il est invité à prêcher. Et cet homme qui ne connaît pas Jésus personnellement commence à prêcher la bonne nouvelle. Il commence à prêcher des bouts de messages qu'il a entendus que son père a prêché. Donc, il repent, c'est du réchauffé, puis commence à prêcher, puis redit des choses que son père a dites. Et l'histoire nous dit qu'à un moment donné, alors qu'il fait son numéro, à un moment donné, il arrête, il est comme impacté, tombe à genoux, commence à pleurer et demande le pardon de Dieu, donne sa vie à Jésus. Voici un homme qui a été converti par sa propre prédication. Pourquoi? Parce que la prédication n'est pas vide. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu n'est pas vide. La parole de Dieu, elle est inspirée de Dieu. La résurrection de Jésus, encore une fois, valide le christianisme. Cinquièmement, la résurrection de Jésus procure l'espérance. Et si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est inutile, vous êtes encore dans vos péchés, et ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est pour cette vie seulement que nous avons mis notre espérance en Christ, nous sommes les plus pitoyables de tous. Si quelqu'un te donne une cuillerée de farine à manger, est-ce que c'est bon? C'est pas très bon. Supposons qu'on te donne de la levure. C'est pas très bon.
Imagine que tu dois également manger des œufs crus. C'est pas très bon. Tu regardes ces éléments et pris individuellement, ces éléments-là ne sont pas très bons. Mais lorsqu'on mélange la farine, la levure, des œufs, de l'eau et de la chaleur, ça donne un gâteau. Le chrétien sait que lorsque l'épreuve arrive, il y a des gens qui sont éprouvés, tu as des difficultés autour de toi, et présentement, tu as l'impression de manger une cuillerée de farine. Il y a des gens, tu vis la chaleur de la tentation, des difficultés, et pris individuellement, ces choses n'ont pas de sens, ça semble négatif. Mais le chrétien sait que lorsqu'il suit Jésus, que tous ces éléments ensemble concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et nous avons une espérance, alors que nous sommes malades, que nous avons des difficultés, que nous avons des tensions, que nos familles sont éprouvées, que nos couples sont ébranlés. Nous savons que Dieu a un plan, que sa grâce est suffisante, et nous ne regardons pas l'épreuve individuellement, mais nous disons, Dieu est en train de faire un gâteau dans ma vie. Nous avons l'espérance. Nous savons que cette vie n'est pas facile, mais nous avons l'espérance de la vie éternelle. Quelqu'un devrait dire Alléluia. Et Paul continue. Sixième raison pourquoi Jésus est vraiment ressuscité, c'est que la résurrection de Jésus redéfinit l'humanité. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. En effet, comme tous meurent en Adam, de même aussi tous seront rendus vivants en Christ. La Bible dit que l'humanité, par nature, elle est en Adam. C'est Adam qui nous définit. C'est Adam, le premier pécheur, c'est le rebelle, c'est lui qui nous définit. Jésus est venu pour créer une deuxième catégorie d'humains. En fait, dans tous ceux qui m'écoutent, il y a des gens qui sont en Christ et des gens qui sont en Adam. Voici le principe que l'apôtre Paul va enseigner. Lorsqu'un joueur d'une équipe est pénalisé, toute l'équipe est pénalisée. Lorsqu'Adam a péché, il a été pénalisé. Toute l'humanité a été pénalisée. Adam était notre capitaine. La bonne nouvelle, c'est que Dieu crée une nouvelle équipe avec un nouveau capitaine, Jésus. Et de la même manière, lorsqu'un joueur est pénalisé, l'équipe est pénalisée. Lorsqu'un joueur marque le but de la victoire, toute l'équipe est dans la victoire. Et ceux qui sont en Jésus sont victorieux à cause de Jésus. Jésus est venu redéfinir l'humanité. Mon ami, qui te définit? Est-ce que c'est Adam qui te définit ou est-ce que c'est Jésus qui te définit? Est-ce que tu es en Adam ou est-ce que tu es en Christ? La bonne nouvelle, c'est que la résurrection de Jésus vient redéfinir l'humanité. La résurrection de Jésus inaugure son règne. Ensuite viendra la fin, quand Jésus remettra la royauté à celui qui est Dieu et Père, après avoir réduit à rien toute principauté, toute autorité et toute puissance. En juin, je crois le 6 juin 1944, lorsqu'il y a eu le jour J, le débarquement de Normandie, ça a été le début de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. En fait, le débarquement de Normandie a eu lieu en juin 1944, mais la fin de la guerre a eu lieu en septembre 1945. Des gens disent aujourd'hui, où est le règne de Jésus? Alors qu'on voit des chrétiens qui sont affligés, les chrétiens ont les mêmes maladies, les mêmes problèmes que les non-chrétiens, puis on peut poser la question, mais où est le règne de Jésus? La bonne nouvelle, c'est que la résurrection de Jésus, c'est le jour J. C'est le débarquement de Normandie. C'est le débarquement de la divinité dans notre monde perdu et pécheur. C'est le débarquement du Sauveur dans ce monde perdu. Et Jésus commence à régner. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus n'a pas abandonné ce monde. Il est en train de régner. Il est en train de soumettre tous ses ennemis un à un. Mon ami, frère, sœur, alors que nous sommes dans une pandémie, alors que ce qui prend toute la place, c'est le COVID. Le chrétien n'est pas coronavirusocentrique. Nous sommes christocentriques. Ce qui nous définit, ce n'est pas le virus, c'est Christ. Et je veux juste te dire, est-ce que tu sais pourquoi on appelle ça le COVID? Parce que pour Dieu, ce virus est vide. Puis là, il y a des gens qui disent, « Hey, pasteur Gaétan, sois prudent. » Moi, j'ai eu le virus, je connais des gens même autour de moi. On connaît même des gens qui sont décédés. Je ne veux pas manquer de respect. Ce que je veux dire, c'est que ce virus, il est vide, il est limité. Ce virus que tout le monde craint ne peut pas arracher ton salut, ne peut pas enlever le Saint-Esprit dans ton cœur, ne peut pas entraver la grâce de Dieu dans ta vie, ne peut pas enlever la joie du salut.
Pourquoi? Parce que Jésus règne. Et au travers de ce virus, Jésus règne. Il a un plan pour son Église. Et alors qu'on a l'impression que l'Église est au ralenti, mon ami, l'œuvre de Dieu n'est pas au ralenti. Jésus est en train de régner. Et cet ennemi, Jésus est en train de le soumettre. Il le contrôle. Le chrétien relève la tête. Tu sais, quelqu'un à côté de toi dit « Relève la tête, Jésus règne. Jésus est en contrôle. » Huitième raison pourquoi Jésus est vraiment ressuscité. La résurrection de Jésus anticipe notre résurrection. Ce que je dis, mes frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas de l'incorruptibilité. Je vais vous dire un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, car elle sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons changés. Il faut en effet que le corruptible revête l'incorruptibilité, que le mortel revête l'immortalité. La résurrection de Jésus anticipe notre résurrection. Pourquoi les chrétiens croient qu'un jour nous allons ressusciter? Parce que Jésus est ressuscité. Vous savez, on peut avoir toutes sortes de convictions sur la vie après la mort. Jésus venait offrir mieux que la réincarnation. Jésus venait offrir mieux que ce qu'on entend souvent dans notre culture. Lorsqu'on meurt, on va rejoindre l'énergie cosmique. Jésus est venu offrir une résurrection. Jésus a un plan pour ton âme et il a un plan pour ton corps. Voici pourquoi. Dieu nous a créés avec un corps. Le corps est un véhicule pour adorer Dieu. Le corps, le chrétien ne va pas passer l'éternité. Ton âme ne sera pas dans les nuages. Non. Dieu a un plan pour ton corps. Il prépare un corps de gloire. Il prépare une transformation radicale. Pourquoi? OK. Le soleil peut être une bénédiction et une malédiction. Le soleil, lorsqu'on est au soleil, une belle journée d'été, c'est agréable. Mais le soleil peut brûler. Le soleil peut donner le cancer de la peau. Dieu est un Dieu de bénédiction. Mais pour le pécheur, Dieu peut devenir une malédiction. Voici le point. De la même manière que pour te protéger du soleil, tu mets de la crème solaire, ce que Paul est en train de dire, c'est que Dieu prépare un monde, un nouveau monde de gloire. Et pour te protéger, parce que la Bible dit que nul ne peut voir Dieu et vivre, pour te protéger, parce que la Bible dit que la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume des cieux, tu as besoin d'une crème solaire spirituelle et ça s'appelle la glorification. Ça veut dire Dieu va transformer cette chair se sent en quelque chose de glorieux, un corps de gloire. OK, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ne me suivent pas encore. Présentement à la maison, il y a des gens, tu visionnes ce message et tu es en pyjama. Maintenant, ton pyjama est approprié pour ton salon, mais si tu avais l'opportunité de venir adorer Jésus à l'église, tu ne serais probablement pas en pyjama. Sinon, si tu as l'intention de venir à l'église en pyjama, contacte un des pasteurs de Nouvelle Vie, ils sont là pour toi, on va t'aider. Maintenant, la réalité, c'est que tes vêtements sont conformes à ton environnement. Lorsqu'on vient à l'église, on s'habille différemment que lorsqu'on va au gym ou lorsqu'on est sur notre sofa. Maintenant, la Bible dit que Jésus est en train de nous préparer une place, un environnement de gloire. Et notre revêtement doit être approprié à notre environnement. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit la résurrection de Jésus, elle est fondamentale parce qu'elle prépare notre propre résurrection et c'est alors que notre salut sera totalement accompli. Et je continue, j'ai presque terminé. La résurrection de Jésus triomphe de la mort, du péché et de la loi. Voici ce que la parole de Dieu dit. Lorsque le corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que le mortel aura revêtu l'immortalité, alors, ce sera accompli la parole qui est écrite, « La mort est engloutie dans la victoire. Mort, où est ta victoire? Mort, où est ton aiguillon? » L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ce point est fondamental pour comprendre ce que Jésus est venu faire. Voici ce que la Bible dit. Le pouvoir de la mort, c'est le péché. Pourquoi? Parce que la mort est le salaire du péché. C'est ce que la parole de Dieu dit. Maintenant, verset 56, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. C'est comme une abeille. Encore une fois, l'abeille, son emprise sur toi, c'est par son dard. La mort, son emprise sur toi, c'est par ton péché. Mais ce n'est pas tout.
Il va dire, le guillon de la mort, c'est le péché, mais la puissance du péché, c'est la loi. OK. Des gens vont dire quelquefois, comment se fait-il qu'il arrive de mauvaises choses à de bonnes personnes? Mon ami, il y a eu une seule personne, une seule bonne personne qui a marché sur cette terre pour le crucifier. La preuve que tu es un vrai chrétien, c'est lorsque tu cesses de croire que tu es une bonne personne et que tu réalises que tu es un pécheur qui a besoin d'un sauveur. Maintenant, il y a des gens qui m'écoutent et peut-être tu es offusqué parce que tu te dis « Non, moi, je ne suis pas si pire. » OK. La Bible parle, c'est la loi, c'est-à-dire le péché, c'est transgresser la loi de Dieu. Quand tu regardes à la parole de Dieu, prenons par exemple les 10 commandements qui est un concentré de la loi de Dieu. Des gens disent « Oui, mais moi, je suis une bonne personne. » OK, prenons les 10 commandements rapidement, OK, en 27 secondes. Premier commandement dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant toi. » Est-ce que vraiment Dieu a toujours été la priorité dans ta vie? Ou est-ce que tu t'es trouvé d'autres dieux? Est-ce que tu as trouvé ton refuge, ton réconfort, ta sécurité dans d'autres choses? Dans l'argent, dans les autres, dans le sexe, dans l'alcool, dans toutes sortes de choses? Ou est-ce que Dieu a vraiment toujours été ton Dieu? Si tu es honnête, tu as d'autres dieux dans ta vie. L'être humain a toujours d'autres dieux. La Bible appelle ça des idoles. Deuxièmement, ça dit que tu ne te feras pas d'image de Dieu. Soyons honnêtes. Souvent de fois, on parle de Dieu, mais on se fait une image qui ne reflète pas ce que la parole de Dieu déclare. On se fait un Dieu à la carte. On prend ce qui fait notre affaire et on rejette ce qui ne fait pas notre affaire. Nous sommes coupables. Tout le monde est coupable de ce deuxième commandement. La Bible dit, tu ne vas pas utiliser le nom de Dieu en vain. Comment est-ce qu'on parle de Dieu? Combien de fois est-ce qu'on peut se plaindre pour prêter de mauvais prétextes à Dieu? La Bible dit, quatrième commandement, encore une fois, tu respecteras le sabbat, c'est-à-dire c'est une déclaration que Dieu est ton repos. Combien d'entre nous, on trouve notre valeur dans ce qu'on fait, dans notre job, dans nos accomplissements, dans nos succès, plutôt que de se reposer, de reconnaître que notre valeur est dans ce que Dieu, dans ce que Jésus a fait pour nous. La Bible dit, cinquième commandement, tu vas honorer ton père et ta mère. Combien d'entre nous, on était des enfants parfaits? Je ne sais pas pour toi, mais je n'ai pas été un enfant parfait. La Bible dit, tu ne voleras point. Tu dis, mais moi, je ne suis pas un voleur. OK. Est-ce que tu as toujours respecté tes pauses au boulot? Est-ce que tu as toujours payé tes taxes? Est-ce que tu as déjà payé au noir? Est-ce que tu as toujours été intègre? Non, la réalité, c'est que nous sommes tous des voleurs. Tu dis, mais je ne suis pas un voleur, je l'ai fait une fois. Ça prend combien de meurtres avant d'être appelé meurtrier? Tu transgresses la loi une fois, tu es coupable. La Bible dit, tu ne commettras pas d'adultère. Tu dis, mais ça, je ne l'ai pas fait. Jésus a dit que quiconque convoite dans son cœur, un homme et une femme, a commis adultère dans son cœur. Jésus dit, l'adultère, c'est pas tellement une action. C'est le péché, en fait, c'est pas ce que tu fais, c'est ce que tu es. C'est dans ton cœur. Il y a plein de gens ici, tu as l'air d'une belle personne morale, mais dans ton cœur, tu as péché. L'autre commandement dit, tu ne tueras point, tu dis, bah, alléluia, ça, je ne l'ai pas fait. Jésus dit, quiconque se met en colère contre son frère, il l'appelle Raka, ça veut dire petite cervelle, a commis le meurtre. Combien de nous, on commet des meurtres dans nos cœurs, sur les réseaux sociaux, en parlant dans le dos des gens? Tu dis, Pasteur Guetta, tu n'avais pas une bonne nouvelle? Oui, mais je veux que tu comprennes la mauvaise nouvelle. Je veux que tu comprennes pourquoi Paul parle de la loi. C'est que tu es coupable. C'est pourquoi tu as besoin d'un sauveur. Il n'y a pas de bonne personne. Je continue, il en reste deux. L'avant-dernier commandement va dire, je l'ai oublié. Tu ne convoiteras point. Non, tu ne porteras pas de faux témoignages. C'est revenu. Est-ce qu'on dit toujours la vérité? Est-ce que tu peux dire que toi, tu n'as jamais menti de ta vie? Non. Puis le dernier, tu ne convoiteras point. Est-ce que dans ta vie, tu as toujours été pleinement satisfait de ce que Dieu t'a donné? Est-ce que tu as déjà convoité? Quelquefois, ce n'est pas la femme ou le mari d'un autre, c'est la job d'un autre, la situation d'un autre, le bonheur d'un autre, la santé d'un autre, la richesse d'un autre, la maison d'un autre. Mes amis, ce que je veux te faire réaliser, c'est que nous sommes coupables d'avoir transgressé la loi de Dieu. Et Jésus est venu pour accomplir la loi, non pas pour abolir la loi. J'ai presque terminé. Reprends l'exemple de l'avion. Transgresser la loi, l'être humain pécheur par nature, là, c'est comme si tu étais dans l'avion. Tu es dans l'avion de Dieu, tout va bien. Puis tu décides de vivre ta vie à ta façon. Tu te dis, moi Dieu, je ne veux rien savoir de toi, je vis. Je prends ma liberté, je veux vivre de manière autonome. Je sors d'ici. Alléluia! Tu sors de l'avion, il arrive quoi?
Qu'est-ce qui va te tuer? Il y a une chose qui va te tuer. Tu vas dire, oui, mais c'est le sol. Non, non. La cause première, c'est la loi de la gravité. C'est exactement la même chose. L'être humain, par nature, on a voulu vivre hors de Dieu, de manière autonome. Et ce qui nous tue, c'est la loi divine qui vient nous condamner parce que nous sommes pécheurs. Mais voici la bonne nouvelle. Jésus est venu alors que nous sommes en chute libre pour être notre parachute. Une personne qui tombe de l'avion sans parachute, une personne qui tombe de l'avion avec un parachute, est-ce qu'on s'entend que c'est la même loi? La loi de la gravité demeure pour les deux. La loi de Dieu, elle est juste bonne. Ce que Dieu enseigne dans sa parole, ça ne change pas. Ce qui a changé, c'est notre rapport à la loi. Le chrétien, c'est celui qui dit « Jésus, sois mon parachute ». Ça s'appelle le salut. Jésus est la seule personne qui a parfaitement accompli les 10 commandements. Jésus, c'est la seule l'humanité est endettée. Et Jésus, c'est comme celui qui est multimilliardaire. C'est le seul qui peut payer ta dette. Donc, mon ami, alors que tu te poses la question, est-ce qu'il y a des arguments rationnels pour la résurrection de Jésus? Il y en a plein. Mais ce que tu as besoin ce matin, ce n'est pas de plus de connaissances, tu as besoin de faire confiance à ce Jésus. Jésus va être ce parachute. Lui qui accomplit la loi parce que toi, tu n'es pas capable de l'accomplir. Lui qui te réconcilie avec Dieu parce que toi, tu es séparé de Dieu. Puis il y a des gens qui sont ici, tu dis, mais moi, je suis chrétien. Les chrétiens ont besoin de comprendre et de se réjouir encore de ce que Jésus a fait. Parce que c'est Jésus, par sa résurrection, qui triomphe de la mort, du péché et de la loi. Et dans ma vie, un jour, je vais mourir, mais c'est un passage parce que Jésus me donne la vie éternelle. Et oui, je suis encore pécheur, mais Jésus me pardonne. Et oui, la loi de Dieu demeure encore. Et aujourd'hui, je prends plaisir dans la loi de Dieu, non pas pour être sauvé, mais parce que je suis sauvé. La loi pour le chrétien n'est pas la cause de son salut, mais la conséquence du salut. Alléluia. Et je termine avec ceci. La résurrection de Jésus est pratique. Ainsi, mes frères, voici comment se termine. En 58e verset, voici comment se termine ce chapitre sur la résurrection de Jésus. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, progressez toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas en vain dans le Seigneur. Dernière chose que je veux dire, la résurrection de Jésus est très pratique. Quelqu'un a dit, il n'y a rien de plus pratique qu'une bonne théorie. Je répète souvent aux gens autour de moi, il n'y a rien de plus pratique qu'une bonne théologie. Une bonne théologie amène une bonne pratique, une mauvaise théologie amène une mauvaise pratique. Puis il y a des gens qui sont un peu rébarbatifs à ce langage, la théologie, puis la théologie, on parle de connaître Dieu, c'est la vie de Dieu en nous, c'est ça la théologie. Si tu vas voir un chirurgien, puis tu arrives, qui va t'opérer au cerveau, et tu regardes dans son bureau, puis tu ne vois pas de diplôme, et tu lui demandes, « Doc, où as-tu étudié? » Puis là, si le chirurgien te dit, « moi, je n'ai pas étudié. Moi, la théorie, ce n'est pas pour moi. Moi, je suis un gars de pratique, j'ai appris sur le terrain, j'ai suivi des cours en ligne. » Est-ce que tu vas lui faire confiance? Non. Pourquoi? Parce que tu sais qu'il n'y a rien de plus pratique qu'une bonne théorie, qu'une bonne théologie. C'est pourquoi l'apôtre Paul, après avoir parlé du fondement théologique de la résurrection de Jésus, arrive à quelque chose de très pratique. Il dit, la résurrection de Jésus est plus qu'une croyance théorique. C'est une expérience pratique qui nous donne la force pour demeurer ferme dans l'épreuve, inébranlable face à la tentation et persévérant dans les difficultés. La résurrection de Jésus nous donne la force de persévérer. Et voici en terminant. Deux jumeaux sont dans le ventre de leur mère. Il y en a un qui pose la question à l'autre, « Est-ce que tu crois à la vie après la naissance? » Et l'autre dit, « Oui, moi je crois présentement où on est, c'est un lieu de préparation pour quelque chose de plus. » Et l'autre lui dit, « Non, moi je suis sceptique, je te trouve très, très naïf. » Et l'autre dit, « Non, moi je crois vraiment qu'un jour on va sortir d'ici, il y a une autre dimension, il y a autre chose, il y a un lieu de lumière, puis même je pense qu'on va manger avec notre bouche. » Et l'autre lui dit, « Ah non, hé, t'es naïf, manger avec notre bouche. » Quelle légende urbaine! On a des cordons ombilicaux, puis personne n'est revenu là où on est. Donc, comment est-ce qu'on peut savoir qu'une vie après la naissance? Voyons, moi, je crois qu'à la naissance, c'est la fin. Et l'autre dit, non. Je crois même qu'à la naissance, on va voir maman face à face. Et l'autre lui dit, quoi? Tu crois à maman? Qui croit à maman encore aujourd'hui? Sois rationnel un peu. Regarde autour, là. On la voit pas, maman.
Et l'autre dit non, on ne voit pas maman, mais je ressens sa présence tout autour. Puis quelquefois, quand tout est silencieux, j'entends même sa voix. Frère, sœur, présentement, peut-être que tu es dans les ténèbres de la tentation, de la difficulté, ça ne va pas bien dans ton mariage, dans ta famille, au travail, dans ta santé. Tu es dans les ténèbres. Puis certains disent, comment croire à la vie après la mort? À la personne n'est revenu, c'est pas vrai, Jésus est revenu. Puis alors que tu as l'impression autour de nous, on nous dit que Dieu n'existe pas parce qu'on ne le voit pas. Nous le ressentons, nous entendons sa voix. Et nous croyons à la résurrection parce que Jésus est ressuscité. Donc, mon ami, si tu te considères sceptique, je te défie à faire confiance à Jésus. Fais confiance à Jésus. Il est digne de confiance. Il va pardonner tes péchés, te donner une nouvelle vie, va te remplir de son esprit, va donner un sens à ta vie. Et peu importe ce qui va t'arriver, parce que tu peux être malade, brisé, dans l'échec, faire faillite, Jésus sera avec toi. Prions. Seigneur, merci d'avoir envoyé Jésus. Merci pour la résurrection de Jésus. Et je prie pour des amis qui sont peut-être sceptiques. Je te prie que tu puisses les impacter par ton esprit. Je te prie alors que oui, beaucoup de connaissances que j'ai partagées, mais je te prie que tu leur donnes de faire confiance à Jésus. Merci pour eux. Seigneur, je prie pour le peuple de Nouvelle Vie. Merci pour l'Église Nouvelle Vie. Merci pour le leadership de Pasteur Claude et pour l'Église, l'équipe, l'Église. Je te prie de mettre ta main. Seigneur, je te prie de préserver, de garder et de... Merci pour l'influence de Nouvelle Vie. Continue de bénir Nouvelle Vie. Merci pour ta faveur sur Nouvelle Vie. Merci pour les bénédictions que tu en réserves pour Nouvelle Vie. Dans ce temps de pandémie, Seigneur, nous croyons qu'il y a des bénédictions cachées. Nous croyons que l'œuvre continue. Donc, je te prie de bénir abondamment Nouvelle Vie. Seigneur, nous les aimons, nous les bénissons au nom de Jésus. Et en terminant, je prie pour tous ceux qui sont éprouvés, en difficulté, tentés, malades. Je te prie ce matin, alors qu'on regarde à Jésus, viens nous fortifier, viens nous rendre fermes, viens nous rendre inébranlables, à ta gloire et à ta gloire seule. Et tous ceux qui sont d'accord, disent un grand et un fort. Amen. D'avoir été connecté avec nous ce matin. Nous espérons que vous avez été bénis et encouragés par cette réunion. Si vous avez besoin de prière, nous vous invitons à dès maintenant aller vous connecter sur live.nouvellevie.com où des pasteurs vous y attendent pour pouvoir prier avec vous. Si toutefois, vous avez une histoire, un témoignage ou même quelque chose à cœur à nous partager, nous vous invitons à nous écrire à info@commercialnouvellevie.com. Restez connectés avec nous sur nos différentes plateformes YouTube, Instagram, Facebook afin de ne rien manquer de nos activités en ligne cette semaine. Et ça commence dès demain matin avec le café matinal de Pasteur Claude. Sur ce, bonne semaine à tous.